Salut tout le monde, c'est Amel de Géant, on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Princess Peach. Et dans cet épisode-là, nous allons continuer le Bois de Houx. Mais avant de continuer le Bois de Houx, je vous avais sollicité dans les commentaires pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qu'il fallait que j'achète avec les 529 pièces que j'avais. Alors, 500 pièces, c'est le minimum qu'il va falloir que j'utilise parce que une nouvelle capacité coûte 500, un café ou un thé coûte 500. Et pour la plupart d'entre vous, vous avez envie de voir une nouvelle capacité, donc on va aller dans la boutique et acheter cette nouvelle capacité. Et c'est le parachage. Oui. Ok, nice. Donc le parachage, nouvelle capacité, appuyez sur bas plus B à mi-saut. C'est-à-dire que quand on est dans les airs, on appuie sur bas et B et on fait la charge au sol. Un petit peu comme l'attaque rodéo de Super Mario. Bref, on est parti, niveau 2-4. Voilà l'attaque au sol, ce que ça donne. On verra de plus près. Ce que ça donne face à des monstres. Donc j'aimerais parler d'une petite chose aussi dans cette vidéo-là. Déjà, c'est les pièces. Déjà, les pièces dans ce jeu-là... Waouh, qu'est-ce que tu fais? Les pièces dans ce jeu-là, pour les récupérer, c'est pas du luxe, parce qu'on est obligé de terminer les niveaux convenablement. Waouh! Non, je suis tombé. On commence. Difficile de se concentrer en parlant en même temps, mais bref. Donc pour récupérer les pièces, il faut faire les niveaux, tout récupérer, essayer d'avoir 50... à la fin du niveau, pour réussir à avoir le plus de pièces possible. Mais il n'est pas impossible que entre deux tournages, c'est-à-dire celui-ci et le prochain, par exemple, je ne sais pas si je le ferai personnellement, mais c'est un exemple, que j'aille récupérer des pièces en off. Waouh, c'était chaud. Pour que je puisse acheter plus facilement les objets dans le jeu. Donc qui nous permettra d'avancer plus facilement. Vis-à-vis de la jauge de vie et de la jauge d'endurance, on va dire d'endurance, d'émotion. Et une pièce de puzzle, donc c'est le puzzle A. Ok. Et un mini-jeu débloqué, c'est nouveau ça. Vous obtenez un mini-jeu, saut Toad. Accédez-y dans menu de l'écran, sur l'écran carte. Donc déjà, quand on fait l'attaque charge au sol, ça retourne les ennemis. Tac, comme vous pouvez le voir juste là. Aussi, j'aimerais vous remercier pour tous les commentaires positifs que vous m'avez laissés vis-à-vis de... Waouh ! Vis-à-vis du nouvel habillage que j'ai fait. Je vais arriver à trouver mes mots, excusez-moi. J'essaie de parler rapidement. Et puis, sans trop vous cacher les choses. Ça fait 3 fois que je recommence cet épisode. Parce que première fois, le son ne s'était pas enregistré. Et deuxième fois, la vidéo ne s'était pas enregistrée. J'ai envie de dire, si ça c'est pas un troll, qu'est-ce que c'est ? S'il vous plaît. Enfin bref, du coup je vous remercie pour tous les commentaires positifs que vous avez laissés sur l'habillage de la vidéo du coup. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai changé les Toads et j'ai ajouté le bloc point d'interrogation qui du coup n'est plus en point d'interrogation à l'heure actuelle parce que j'ai déjà récupéré la pièce de puzzle de ce niveau-là. Qui change à chaque fois que je récupère un Toad et un objet caché. Bouge. Par contre, il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit de mettre des Toadettes à la place des Toads pour rester dans le thème rose. Sur la plante. Alors c'est une très très bonne remarque, mais malheureusement ce ne sont pas des Toadettes que je sauve, mais ce sont des Toads, donc pour rester vraiment dans le thème du jeu, je laisserai les Toads, je ne mettrai pas des Toadettes. Mais le commentaire était pertinent parce que les Toadettes sont roses. Je m'énerve! Voilà, on récupère tout ça. On récupère tout. Waouh, voilà, ça fait plaisir. Et on continue d'avancer. Waouh, joli. Oh, joli. Un double. Oh, mais toi! Aïe, aïe, aïe. Bref. Donc voilà. Je voulais juste vous remercier pour tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Clac, je m'énerve, bam, les chauves-souris. Oh, j'ai même pas eu le temps, dis donc. Je vais dégager, oui. Merci. On y va. Ok. Ici, nous avons un autre Toad. On y va en glissade. C'est classe. Et on va activer le mécanisme ici parce qu'on a une porte fermée. C'est parti. Ok, normalement ça devrait suffire. Voilà, très bien. Clac. Et le second Toad. Non, le deuxième Toad. On dit deuxième. Ok. Ouais, parce que ça c'est une chose à savoir. C'est que on peut dire second ou deuxième. Quand on veut parler d'une chose qui précède le premier du coup. Enfin, qui suit le premier, excusez-moi. Si on va en l'inverse. Sauf que on dit second quand on est sûr qu'il n'y en a que deux. Et on dit deuxième quand on sait qu'il y en aura d'autres. C'est une chose à savoir de la langue française. Alors je sais que je suis pas très très bon en français,
Mais j'essaye de faire des efforts parce que j'ai bien lu tous vos messages quand je vous avais posé la question dans l'X-Vidéo, qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore sur ma chaîne. Beaucoup de personnes ont dit le français. Parce que, bon, niveau des fautes d'orthographe, je suis très mauvais, faut le dire. J'ai été un cancre à l'école, j'en suis pas fier. Et je regrette d'avoir été un cancre. Mais bon, c'est la vie, on peut pas retourner en arrière. Et du coup, pour mon élocution en français, c'est pas terrible non plus. Donc j'essaye d'apprendre plus de choses pour pouvoir mieux parler. Bon, c'est pas gagné non plus, hein. Je dis pas non plus que je vais être un pionnier de la langue française non plus, mais voilà. Alors déjà, je crois qu'il y a un truc ici, je sais plus. Non, il y a rien. Quoique, si on veut, on peut faire ça, hein. Oh, la triche. C'était juste pour monter. Et je crois que c'est tout, hein, parce qu'après... Ouais, c'est ça, hein. C'est tout, en fait. C'est un raccourci que j'ai lamentablement foiré. C'est pas grave. Le raccourci, on va le reprendre par là. Tranquillement. Voilà, merci. Normalement, faut prendre le trampoline et aller tous... Tout, mais dégage. Allez, sur toute la droite. On va pouvoir monter. Alors, le 50, le 50. Oui, le 50, c'est bon, ça. J'espère vraiment que la vidéo sera enregistrée parce que... Ce serait ballot si ça ne s'enregistre pas. Du coup, c'est parti pour le 2-5. Du coup, pour vous dire, pour les deux précédents épisodes que j'avais tournés, qui était censé être celui-ci, hein, donc en gros, celui-là, c'est le troisième essai pour tourner. Je suis pas énervé, contrairement à d'habitude, quand je recommence un épisode, simplement parce que ce jeu, je kiffe le faire. Mais bon, si je devrais recommencer une quatrième fois, là, par contre, j'aurais peut-être pas la même tête. Hein. Mais tout ça pour dire que les deux premières fois... comment ? J'avais fait durer un peu l'épisode parce qu'il s'arrêtait à un... Oh, non, on s'énerve un petit peu là ! Voilà ! Et le premier Todd. Parce que les... quand j'avais tourné cet épisode-là, en fin de compte, j'avais fait durer l'épisode parce qu'il n'était pas assez long. Donc le mini-jeu que j'ai débloqué, on l'avait fait. Tac, 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 voilà ! Donc on le fera aussi à la fin de cet épisode-là, du coup, pour prolonger un peu l'épisode, pour voir ce qu'il en tourne. Mais je le ferai juste une fois, j'essaierai de le rusher, comme ça on voit ensemble ce que c'est. Hey, tu arrêtes de sauter comme moi. Mais je m'attarderai pas sur ce mini-jeu, en espérant que l'enregistrement soit fait correctement. Ça va que c'est pas long comme tournage. Donc, oh, mais... Voilà, on se calme là. Donne-moi une pièce. Merci. Mais bon, faut bien me comprendre, hein. Tourner plusieurs fois la même chose... C'est un peu chiant, en fait. C'est chiant, mais au moins, le niveau, je le connais par cœur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, on va passer au-dessus. Let's go, Peach. Et par ici, nous avons un deuxième Toad. Ok. Et du coup, tout ce que j'avais dit dans les parties que j'avais enregistrées, je sais plus de quoi j'avais parlé. Donc, du coup, je vais vous reparler de quelque chose. Aucune idée si je vous en ai parlé à l'instant, là, ou pas. Je suis tellement déboussolé à recommencer les épisodes à chaque fois que bon. Donc c'est en rapport avec la qualité de ma voix. Ma voix a quelques soucis de qualité. Tout simplement parce que depuis que j'ai changé de PC, la capture de ma voix ne se fait pas pareil qu'à l'époque. Donc je tiens à m'excuser pour ça parce que j'essaie de tout faire pour régler ce problème là. Le problème c'est que... je passe ma voix sur Audacity pour modifier ça, pour enlever le bruit de fond. J'y arrive, mais c'est pas concluant. Donc, j'utilise le logiciel Adobe Audition pour pouvoir enlever les bruits de fond. Sauf que ce n'est toujours pas concluant, dégage-toi. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé ? C'est d'acheter une carte son. Parce que, actuellement, je n'ai pas de carte son. C'est juste la carte mère de mon PC qui gère le son. Et j'ai demandé à un professionnel du son, hein. Pour me dire un peu ce qu'il en pense. Le professionnel du son, c'est un ami à moi. C'est un pote que je me suis fait il y a pas longtemps, parce que c'est un nouveau collègue au boulot, en fin de compte. Je le connais depuis une semaine, mais on s'entend super bien. Ah, 50 encore. Et du coup, ouais, il fait du son, il est bon en son, et du coup, il m'a dit, une carte son, c'est indispensable pour avoir une qualité de voix optimale. Plutôt que d'enregistrer via la carte mère, parce que il y a trop d'interférences avec toutes les connectiques qu'il y a sur la carte mère. Voilà. Donc c'était l'info du jour. Je vais aller chercher demain normalement ma carte son. Donc vendredi. Je tourne le jeudi. Je vais avaler trois fois ma langue.
Non, on dit je vais tourner trois fois ma langue avant de parler. Je vais pas l'avaler parce que sinon je meurs, n'est-ce pas? Arrêtons les conneries. Je disais que je vais chercher ma carte son vendredi, donc parce qu'on est jeudi, je tourne cet épisode-là la veille avant de le sortir. Comme ça, j'ai eu le temps de lire vos commentaires avant de tourner cet épisode-là. Ah oui, alors là, ça fait trois fois que je fais l'épisode, mais ça fait trois fois que j'oublie ça. Hein. Donc là, on est parti pour aller vers le boss. Et comme à chaque fois, on a un terrain en long. Donc c'est pour ça que je suis obligé de garder ce pattern comme ça au niveau de, du montage. C'est pour avoir les deux écrans de la même taille l'un au-dessus de l'autre. Voilà. Donc tournez le rondin avec le stylet pour emmener Peach au sommet. C'est parti. Et c'est un peu relou parce que là il faut tourner, waouh doucement, il faut tourner le rondin de bois dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir monter. Mais pour s'arrêter, il suffit pas d'arrêter de tourner. Il faut tourner dans l'autre sens. Et une fois qu'on est tourné dans l'autre sens, voilà, il ralentit et ensuite on peut passer. Et là, on y va. On va arriver au sommet. Oh yeah. Et voilà. Donc one shot, très bien. Et on va lire cette petite boîte, qui est un peu cheatée, mais voilà. La chouette est le boss de cet endroit. Sautez sur sa tête lorsqu'elle descend en piqué. Vous pensez qu'elle a un avantage dans les airs? Utilisez joie pour voler plus haut qu'elle. Et arrêtez l'émotion joie lorsque vous êtes au-dessus pour lui sauter dessus. Voilà, donc cette boîte est cheatée parce qu'elle nous dit exactement comment vaincre le boss. Mais bon. Oh, un Toad! Non, Toad! Il a été enlevé par cette chouette. C'est pas chouette. Oh! C'était pourri, d'accord. Non! Donc les œufs, soit on les pète en vol, soit on les pète une fois qu'ils ont éclos. Tiens dans ta tête. Allez, balance des œufs. Ouah. Donc là, il y en a deux qui ont éclos, c'est pas grave. Tiens, deuxième fois dans ta tête. Oh, ok, ils sont morts. Et ce qui est l'avantage qu'il y a avec ces œufs, c'est qu'on... Oh, c'est qu'on peut récupérer de l'énergie émotionnelle. Oh, il balance plein d'œufs. Je sais pas comment il fait pour avoir autant d'œufs dans le corps, mais bref. Et donc du coup là, on va faire ce qu'il nous dit. On utilise joie pour passer au-dessus de sa tête et se laisser tomber. Clac. Attention, t'es prêt. Clac. Je recommence. Je me remets au-dessus de toi et je me laisse tomber. Clac. Voilà. Donc ce boss, il est pété. Hein. Quand vous lisez un peu comment il faut le vaincre, il est très simple, très très simple. J'ai eu beaucoup plus de facilité à battre ce boss que le prochain. Vous avez vu le parapluie, il fait un peu la gueule sur le côté. Là. Bon bref. Le parapluie rêve. Ah, le même rêve, hein. Oh, grand-père, c'est mon grand-père. Je sais, il m'avait emmené dans les montagnes. Le pauvre. Je me suis encore endormi. Grand-père, comment vas-tu? Ah, pas de temps à perdre, pas maintenant. Nous reprendrons la route dès que vous serez reposé. C'est incroyable parce que là, le dialogue, je le lis. Et j'ai bâillé en même temps de le lire. Et la dernière fois que j'ai tourné cet épisode-là, donc juste avant, j'ai bâillé exactement au même moment. Enfin bref, région 3, manoir hanté. Sauf que le manoir hanté, on ne le fera pas aujourd'hui, mais comme on peut le voir, c'est bien hanté, quoi. Donc nous, on va aller dans le menu, on va faire, clac, mini-jeu, et on va jouer un petit peu à Saut Toad. Niveau 1, parce qu'on a débloqué que le niveau 1. Lisez les règles et touchez, commencez. Alors, soufflez dans le micro pour faire sauter Toad. Faites attention aux ennemis et aux trous. Pas de soucis. On va mettre le micro ici, comme ça. Sauf que je vais pas souffler, moi, dans le micro. Vous allez voir. Saute! Yeah! Saute! 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 Oh, 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 saute! J'ai fait le con, là. Saute! Allez! Yeah! Saute! Et on a gagné 10 pièces. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça. Donc du coup, voilà le mini-jeu. On s'arrête là pour cet épisode, les amis, de toute façon, parce que voilà.
c'est terminé. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci encore pour tout, pour le partage, le commentaire et le like que vous laisserez. Enfin, je dis ça comme si vous allez le faire, mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais si vous le faites, vous m'aidez, voilà. Donc, merci d'avance. Donc sur ce, les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Bye.